Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 16ème épisode dans Let's Play sur Dragon Quest Treasures. Dans l'épisode précédent, on a fait une petite quête dans la dorsale de feu. On est rentré dans une espèce de donjon. On a le clan qui est monté au niveau 6, du coup après on a été dans le dédale. Et on a réparé la gare aussi. Travail d'équipe, utiliser les spécialités, battez des monstres. Faites des recherches dans le secteur de Baster. Trouvez l'arbre pleure dans le bois carmin. Donc ouais, il y a une quête dans le dédale, enfin un truc recommandé niveau 20, donc on va le tenter. Je voulais juste voir si on avait bien des quêtes en cours. Enfin des expéditions en cours. Maintenant on peut lancer 3 expéditions en même temps. C'est bien. On a réparé une gare dans le côté de la dorsale de feu. Donc on va voir ce qui nous attend au deuxième sous-sol. Encore descendre. Il y a un autre niveau, il y a un autre niveau là-dessous, j'en suis sûr. Si je mets un bon coup, je devrais avoir percé un trou en un éclair. Si tu n'as pas envie de remonter tous ces escaliers, sélectionne rejoindre la place depuis le menu principal et tu te retrouveras en haut en un clin d'œil. Bon, ça va aller. Ça, tu viens de me le dire, je voulais parler au gland, mais c'est pas grave. On va voir hein, si on a le niveau. Il conseille niveau 20, donc. De la sanguinite. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire par ici? Non. Voulez-vous franchir le portail menant au niveau moins 2? Niveau 20 recommandé. On est au niveau 20, donc on va tenter. Let's go! Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'allais dire c'est bon, on les a battus, non. Il y en a un qui est encore là. Ma petite méglusine apprend des coups. En tout cas, ça nous a fait gagner un niveau. Niveau sûr, let's go. Aïe.
J'avais un truc pour me soigner, mais je sais plus comment c'est. Hop, hop, hop. Journal. Je sais plus, il y avait un truc avec X, mais... Ah ouais. ZR et X. Mais chercher le X en appuyant sur Y, parce que ça c'est l'habitude avec les Xbox. Niveau 4, il y a des coffres. Oh mince. Il y a peut-être des trucs plus intéressants à récupérer. Ça, c'était pas dur. Hop. Bon, pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Donc ouais, le niveau 20 est plutôt conseillé. Je pense qu'en plus, sur un boss juste après, donc... Vous avez atterri ici par erreur, on est deux. Mais une marchande itinérante ne chôme jamais. Voulez-vous faire quelques emplettes? Bon, pour le moment, ça je vais pas acheter. Par contre, je voulais regarder éventuellement sur mon équipement. J'ai pas un truc qui augmente mon attaque. J'ai du PV max. Bon, la magie, je m'en sers pas trop. Pouvoir soigner tout le monde.
Par contre, c'est vrai que pour le moment, mes médailles sont pas terribles, terribles, mais. Mais par contre, pour s'entraîner un petit peu, je pense que c'est une zone qui peut être assez sympa. Ah ouais. Souvent je tire directement la bille alors que je... Ok. Soignons-nous. Vous sentez la présence d'un redoutable ennemi de l'autre côté du portail. Voulez-vous vraiment continuer? Oui. Use it wisely.
Le problème, c'est que je peux pas trop m'approcher. Heureusement que nos monstres avaient capacité. Vous avez vaincu le turquoise. Et bah dis donc. Une médaille. Easy peasy. L'ennemi semble avoir laissé tomber quelque chose. Mia obtient 5 morceaux de sanguinite. Regardez, une autre tablette. Inutile d'embiner. Voyons ce que ça dit. La queue de l'azurite repose sans bruit sous les neiges scintillantes au sommet d'une montagne. Celle-ci parle de la queue de l'azurite. Il était question de neige scintillante au sommet d'une montagne. C'est sûrement quelque part dans les basses terres, non? Donc la queue de l'azurite est enfouie quelque part sous la neige, c'est ça? Heureusement qu'on a le trouve-trésor et les visions de nos copains monstres pour nous aider. Tablette du débusqueur de queue. Étrange tablette de pierre couverte d'inscriptions relatives à la queue de l'azurite, qui repose sans bruit sous les neiges scintillantes au sommet d'une montagne. Eric et Mia sortent du téléportail et s'éloignent du donjon. Vous avez découvert de nouvelles informations concernant la quête à pierre fendre. Voulez-vous que cette quête devienne votre objectif actuel? Non. La quête n'a pas été choisie comme objectif. Vous pouvez modifier votre objectif à tout moment depuis la section quête du menu. Vous récupérez vos PV et vos PM, heureusement, parce que ça a quand même pris cher. On a gagné deux petits niveaux quand même, ce qui est pas trop mal. Par contre, le boss, il nous aura fait des dégâts. J'ai utilisé pas mal de billes de soins. Il va falloir que peut-être que je refasse un stock. 2-3 monstres éventuellement à recruter si j'ai les objets. Hello there. Ah, your team's back. Home sweet home. Well done. Are you sure? Good luck. Let's see what we can find. I have something new to offer you. Some applications came in. Have you decided? Glad you could join us. Bon,
l'heure, j'ai pas trop de recrutement possible. Anything else? Allez, à la fabrique. I have in new stock. Come back soon, yeah? Let's see. Ah, quoique, j'aurais peut-être dû racheter des billes normales. Something new to offer you. I have in new stock. Faut que j'améliore un peu mon... Je pense qu'en fait j'utilise pas assez les billes. Poser histoire de redonner de la vie. Non, je pense que tout le monde a récupéré toute sa vie dans mon équipe, mais dans le doute, je préfère quand même assurer le coup. Je vais juste faire une petite sauvegarde vite fait. Bon, au final, j'ai gagné qu'un niveau, il n'y a que Bertrand qu'on a gagné deux, mais. On va retourner à la dorsale de feu. Bon, l'épisode va être un peu plus long que d'habitude, je pense que... Are you making progress? Very good. Look. Where are you going treasure hunting today? J'aimerais bien activer la deuxième gare, la dorsale de feu. Plus je me suis trompé, étendard à vague. Je me suis trompé de gare. Trompé d'endroit surtout. Limite, c'est peut-être plus court par là que de repartir de l'autre gare et de faire tout le tour, donc quoi. Y'a rien d'autre. Jenny,
this thing? Non mais Glusine, tu te jettes pas dans la lave, c'est pas cool ça. Nous, on va suivre le petit chemin à la route. Je vais juste ramasser un peu de lave. On ne sait jamais les objets, ce qui peut nous servir ou pas. Ouais, non, ça, j'ai pas envie de... Je peux l'activer, ça. La gare doit plus être très très loin. On la voit là.
Donc pour le moment, il n'y a pas de clan qui nous attaque, ce qui me va plutôt bien. Et je pense qu'il faut pas ramasser trop de trésors non plus pour pas se faire trop attaquer. Par contre, c'est des gros trésors qui ramènent 3600 points d'expérience. Bonjour, je m'appelle Favonius et je fais partie de la garde personnelle de la princesse Anemone. Son Altesse m'a ordonné d'étudier les monuments en pierre se trouvant dans la région. Malheureusement, les monstres qui rôdent autour du monument sont bien trop dangereux, je n'ai pas pu m'en approcher. Ok. Heureusement que je disais, tiens, il n'y a personne qui a nos trousses pour le moment. Il s'agit d'un chef de gare, machine faisant office de chef de gare. La gare a connu des gens meilleurs, mais en apportant les bons matériaux au chef de gare, il devrait être possible de le remettre en état. Hop, bah j'ai juste assez d'éclats de noix, donc on lui donne. La sanguinite. Mais bien sûr qu'on lui donne la sanguinite. La gare de Bois-Carmin est en service et peut être sélectionnée en tant que destination. Derrière, il y avait un coffre. Tant qu'on n'est pas en alerte rouge, on va essayer d'en profiter. Ça va être au bout du pic, je suppose. Comme ça on est juste à côté de la gare, on va pouvoir s'en aller. Plus comme ça, j'ai activé les deux gares, donc on devrait avoir une récompense. C'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avancer un peu dans le jeu parce que jusqu'à présent on n'avançait pas trop.
Should we get that treasure appraised? Ça doit être le plateau scapula, je sais. Je m'en rappelle plus. On va bien voir. Je crois pas. Tu as vraiment retapé toutes les gardes de la dorsale de feu. Tiens, à propos, il fallait que je te dise un truc. Tu as déjà dû entendre dire que nos trains suivaient le tracé des artères, pas vrai? Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Elles sont un peu comme un réseau sanguin qui irrigue toutes les îles avec son énergie. Apparemment, cette énergie sera la force de vie originelle des dragons qui ont donné naissance à ce monde. Ils ont passé l'arme à gauche depuis un bail, mais leur force n'a pas disparu apparemment. Enfin, c'est comme ça que nos trains se déplacent, en utilisant ces flux d'énergie. Impossible d'avoir un chemin de fer sans artère. Franchement, je suis impressionné et je tire mon chapeau au fondateur qui a eu l'idée d'exploiter les artères. Désolé, je m'emporte. Et je t'ai promis une récompense, pas vrai? Alors la voici. Mia accepte la récompense de Monsieur Urbain. Gare miniature. Recette du nigiri vraiment verni. Une aile de chimère. Et ainsi, toutes les gardes de la dorsale de feu sont de nouveau opérationnelles. Tu dois sûrement déjà le savoir, mais il reste encore des gardes sur d'autres îles qui ont besoin de réparation. Ce serait au poil si tu voulais retaper aussi. Tu peux bien faire ça pour moi? On verra ça ultérieurement, les autres gardes. Nous, on va retourner sur notre île. Bon, c'est pas la quête principale, mais au moins on a avancé un petit poil. On a fait le dédale plus une gare. Je trouve ça cool. Oh, fabuleux! Première fois que j'en ai un comme ça. Il y a encore des trésors spéciaux qui n'ont pas été estimés. Elle décide de les faire estimer et de les déposer dans la salle du trésor dès que possible. Ouais, il y a le truc de la gare, ok. Trier par valeur. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui fait du ménage dessus, prendront de la valeur. You leave it to me. Ah, it seems back. We're back.
Ah, le bâton là, c'est quand même incroyable parce que du coup, je m'attendais pas, mais c'est une bonne chose. Oh, une bouse de vache, formidable! Je me dis, tiens, il vous en ramène un trésor, ouais. Une bouse. Home sweet home. Well done. Are you sure? Good luck. Let's see what we can find. We're back. Well done. Where do you want to go? Are you sure? Good luck. Let's see what we can find. What is it? Hop, regardons les petites recrues. I have something new to offer you. We've had an applicant. Je peux recruter personne. Bah dis donc. Let's see. C'est pas très grave. Et eh ben les ennemis, ce qu'on ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Dragon Quest Treasures. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.